moi je pars rien du tout moi. Attends, mais j'ai la dalle. Quand attends, si j'ai pas à manger, est-ce que je meurs? Oui. Oui. Non, non, il va survivre. Je sais pas, genre, non, mais va. On tient 30 jours sans manger. Donc, bah, tu tiens 30 jours sans manger. Là, ça fait qu'une nuit, si tu crèves au bout d'un jour, bah, je te chie dessus. Enfin, dans Koh-Lanta, ils ont rien à bouffer et ils se plaignent pas, donc. Par contre, je vous préviens, les gens, je fais pas de piège à lapin parce que ça ne marche pas, j'ai jamais eu aucun lapin avec. D'ailleurs, les pièges, c'est bien les pièges ou pas dans le jeu, en fait, en vrai? Tiens, regarde, il y a un poisson. Attends, là. Mais les regarde, pièges. Regarde, le poisson, je peux l'avoir. Attends, mais dis-moi, les pièges, ça marche, non, ou pas? Oui. Oh putain, il fait nuit. Putain, il fait nuit. Non, mais pièces, ça marche contre les champions là, qu'on fait contre. Attends, les c'est des noirs ou des bleus ça? Je crois que je peux pas les manger. Moi je vais aller voir les indigènes. Non, bah pas moi. Hein. Pourquoi il fait jour chez moi? Pourquoi il fait jour chez toi et il fait nuit chez moi? Je sais pas. Eh, hey, on a commencé en même temps. Ça c'est mon avion. La météo là, s'il vous plaît. La météo avec moi. Est-ce qu'on en parle un petit peu là de la météo qui est dégueulasse dans le jeu de. Oh putain, je sens pas du tout là. Oh là 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 là. Oh, attends, j'ai trouvé un bras. Attends, par contre, attends, avec un estomac comme ça, je tiens un jour ou pas? Ou pas du tout? Oui, bien sûr. Ok, cool, merci. attends, ok, bon, ça sent le fake. Oh, what? J'ai ramassé de la terre. Ah bon? Quoi, hé, tu lui donnes pas d'infos? La régie qui l'aide, mais bien sûr. Arrête. La régie, aide-moi, alors comment je fais pour manger là, si j'ai faim? Par contre, t'as vu, y'a un BK pas loin, y'a un Burger King. T'as vu ou pas, y'avait marqué. Oh, c'est quoi ce bug, regarde. Y'a rien, moi, y'a que dalle, hein. Moi, c'est, y'a personne ici. Y'avait marqué que j'avais trouvé des passagers. Mais dans l'eau, mais comment ça dans l'eau? Comment ils vont pêcher? Des poissons. Mais comment on pêche? Mais tu vas dans l'eau et tu tapes sur les poissons jusqu'à ce qu'ils meurent et ça remonte à la surface, ça flotte et tu le prends. Comme quand tu tues un varan, quoi. Quand tu tues un poisson, tu vas avec la hache. Mais oui, oh. Ah bah oui, ah bah pardon, excusez-moi, je fais vraiment de la pêche. Oh bah, je sais pas. Pêche à la hache, moi je pêche à la grenade dans ce cas-là, donc là, ça va plus vite, quoi. Tu peux aussi, ça en fait 10 d'un coup, je crois. Maximum. <gueule. rire> Non, mais vraiment pas. Oui, bien sûr. Ouais, je me suis redressé parce qu'en fait, je vois pas bien. Et donc, je vais me faire Zizoued. Et quoi, ma maison, elle est. Putain, elle est longue. Oh, regarde, tu vois? J'ai trouvé les poissons. Regarde. Ouais, super. Je suis content pour toi. Je suis ravi. Là, j'ai un truc à poisson. Je vais pouvoir manger full. Ouais, super. C'est une bonne nouvelle. Non, pas du tout. Meurs. Ah, j'ai trouvé la barque. Si la barque est là, c'est-à-dire que là, là-bas, il y a la plage. Bah non, il y a des arbres. Je vais mourir de froid. Je vais mourir de froid. Mais pourquoi t'as froid? Putain, tu tiendras jamais là, Sky. Ah bon? Non, j'ai eu, j'en sais rien. Vélan, je meurs ou je meurs pas avec ma bouffe là? Les oiseaux, je peux les manger ou pas? Je vais die? Oh, super. Super. Ah, y'a des baies. Oh non, 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 je vais mourir encore. Attends, fais le tour. Non, fais le tour. Moi je me balade. Attends, y'a des indigènes qui soufflent, qui sifflent. Qui soufflent. Qui sifflent. C'est-à-dire qu'ils sont pas. Ils sont pas loin. Super, c'est une bonne nouvelle. Oh non, c'est pas des baies. Oh, c'est des trucs de merde qui servent à rien. Et les poissons, donc du coup, tu faut les cuire ou pas? Non. Ah, oh, si, pardon, ouais. C'est vrai ou pas? Ouais. Vrai? Bah, faut que tu cuisses tous tes trucs en fait. Oh là là, mais putain, mais y'a un. Mais essaye pour voir. Mais moi, l'eau elle est noire chez moi. Non, mais je crois que tu peux les manger crus. What? Mais que ça donne moins de vie que quand tu les manges cuits, quoi. Je suis en stress. Bon, les poissons, vous êtes où? T'as trouvé les poissons comme ça? Ouais, ah, mais moi, je vais aller. Ouais, attends, mais je suis en sang là. Je suis en sang. Mourir par le froid, c'est pas cool. Mais y'a pas d'animaux! Y'a pas d'animaux, je te mets sur la seule forêt où y'a personne! Et ça, c'est des bonnes baies! Miam miam! Oh putain! Miam miam miam! La nuit, y'a pas d'animaux! Miam 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 miam! Mec, moi j'ai l'œil de lynx, mec! Attends, mais je vais mourir par le froid là! Putain, mais c'est la merde, je suis foutu là! Moi je me balade en forêt, hein! Bah oui, bah moi je me balade en forêt! Si vous voulez faire une balade avec moi en forêt, je vous montre les environs! Super! Moi je vous montre comment mourir en deux leçons. Les baies bleues, vous pouvez les manger, y'a pas de soucis. Oh, c'est quoi par terre? Ah non, c'est un bâton. Attends, mais j'ai des baies rouges. Attends, mais j'ai récupéré de la bouffe en fait. Peut-être, dans la truc. Non, par contre, fais gaffe, ça a sauté le hache.
Les médicaments, restaure les points de vie. Ah mais j'ai des carambars. Putain. J'ai des carambars, mais voilà, les carambars, ils sont là. Ils te mettent bien les carambars. Ça c'est quoi ça? Alors combiner. Combiner avec ça. Pour combiner. Ah c'est right click, right click. Right click. Combine. C'est bon. Ah des valises. Combiner. Quoi? Mais combine! Putain! Il fout de ma gueule lui! Ah, faut récupérer un par un! Ah, mais non, je suis con, c'est comme ça! Quoi? Mais prends-en plein! Oh, un par un quoi! Attends, ça sent le brûler là! Attends, nos guignes, ça sent le brûler! Tu sens pas? Non. Mais vraiment, j'ai senti le brûler là! Pendant une seconde, je sais pas si ça passé. Ça marchera pas! Non, vraiment, ça j'ai. Pas, non, j'ai pas déconné là! Non, j'ai vraiment eu peur pour le coup! Je vérifie quand même que je vais pas envie de mourir. Ah, je brûle. Lol. Lol. Je lui dis, je brûle, il a flippé. Parce que si on brûle IRL, c'est beaucoup moins drôle. Elle est où ma balle de tennis? Oh, ils sont où les guignols là? J'ai moins froid a priori. Ah, il y en a d'autres là. Boing. Ah, vraiment, là, ça sentait de cramer, hein, no kidding. Je rigole pas du tout. Alors je remonte un petit peu. Oh, on me dit faut que je dorme. Ah, quand on dort, quand on dort, on a plus faim. Ouais. Oh, aïe. Regarde, il y a un oiseau qui est posé mais en suspension. Oui, bah oui, je viens de comprendre. Regarde. Je viens de comprendre pourquoi il est dans le jour en fait. Merci les gars. Hop là. Bon. Ah, mais ça skip zéro la nuit, hein! Mais dors, enfoiré! Ah! Ah! Non, c'est toujours la nuit. Est-ce qu'on a le droit de dormir la nuit? Putain, elle est bien longue, sa race, hein! C'est une nuit de bâtard, hein! Est-ce que maintenant on dit qu'on a plus le droit de dormir pour passer la nuit? Ça te va ou pas? Si tu veux. Ok. Donc la nuit, on souffre. Oui. C'est le but. Est-ce que la nuit, on se met un défi, on doit courir, on ne doit pas s'arrêter et on ne doit pas tourner en rond, tu vois? Ça te va ou pas? Non mais tu peux pas, on va avoir froid et on va mourir, donc ah oui, c'est pas possible. T'as raison. Je me mets des défis, moi, j'aime bien mourir. Oh. Mais putain, mais moi c'est une nuit interminable! Moi je me balade, hein. Ah, j'ai trouvé une tente cachoua. Alors. Ah oui, c'est clair. Est-ce que j'ai trouvé un survivant là? Enfin. Ah non. Le mec, c'est un bon gros dormeur, hein. Bon, ça m'a saoulé. C'est pas grave, nous on joue la nuit, on est des bonhommes. Ouais, mais y'a pas marqué en fait. Y'a pas marqué que j'en ai trouvé un. Waouh, quel magnifique coucher de soleil. La lune est là. J'ai trouvé un requin, regarde. Il me fait peur, j'avoue. Bon, il a pas kiffé lui, par contre. Oh, comment elle se pose sur lui, non-respect. J'avoue. Ah. Quoi? Ouais, fallait pas le dire, mec! Mais non, mais je sais. Et moi, je savais pas. Mais moi, j'ai regardé les mises à jour, t'es bête. Bah oui, bah bien sûr. Si tu manges, on regarde, vraiment, on meurt. Donc, typiquement, je serais mort comme une merde. Si tu pêches un requin, tu peux le manger. Comment tu peux pêcher un requin? Alors, tu vas. Ah, putain, un requin à la hache. Ah, bah oui. Ah oui, bah ah, oui. Ah, j'ai trouvé le bateau. On est vraiment en termes là de talent, en termes de courage. On est au max. Moi non, je n'affronte pas un requin à la hache. Je cours et je ne vais pas dans l'eau de base. What? Mais d'où? Attends, mais je vais chercher un bout de bois et je reviens. Il y a 40 indigènes dans ma base. Okay. Alors, on me dit merci Pumba92 qui me dit quand tu dors, ça réinitialise la nuit. Je suis au fond. Parce que ça veut dire que du coup ma nuit va être plus longue, comme si j'ai pas assez souffert. T'as vu ou pas? On dirait l'île dans Dinosaure, ils sont dans cette herbe là et puis genre y'a des météorites qui arrivent. Moi je m'en fous, hein. J'ai mon bout de bois, je suis gâché. Waouh, c'est beau. Je vais sauter dans l'eau peut-être. Elle s'amuse, c'est l'éclate. Moi c'est pas l'éclate du tout. On est sur deux mondes différents là. Hein.
Donc il y a pas le droit de dormir, mais du coup moi je vais pas rester dehors. Hein. Oh, oh, on voit ses fesses. Salut. Oh pardon. Attends, j'ai cru que je lui faisais un truc pas très catholique, quoi. par contre, donc il y a pas le droit de dormir, mais est-ce que je peux aller dans ma cabane et attendre? Vas-y, tu peux dormir, tu peux dormir. Ok. Ah bah non, attends. Si ça réinitialise le jour, non. J'ai envie de te voir souffrir, moi. Vas-y, viens dans la lit. Si tu veux, je peux attendre un peu, mais là, je commence à rentrer. Il se fait tard. Oh non, fils de... Il m'a vu. Mais cours. Putain, j'ai massé. Ah. 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 C'est trop la merde. C'est pas... Ils sont trop nombreux. Mais putain, ils sont partout. Mais putain, ils sont 42. Ah mon dieu, mais putain, mais même là, il y en a. Ah putain, mais ah. Mais monte, tu t'entends, putain, mais il peut plus monter. Et voilà, quand il a peur, il peut plus monter. Putain, ça me casse les couilles. Je suis au fond. Je suis au fond. J'ai froid! Ah putain, j'ai peur de rien, putain, ça me casse les couilles. J'aime pas ce jeu, putain. Mais. Ouais. Oh la tafiole quoi. Mais. Bon allez. Ah, vous entendez pas ce que j'entends, je pense. Mets mon son, s'il te plaît, pour les gens, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi j'ai peur. T'as mon son, mais mets-le à fond alors, pour qu'ils souffrent. Je veux que les viewers comprennent que c'est la merde. Je suis caché! Salut les mouettes. Je suis caché. Bonjour. Salope. Ah. C'est ouvert, hein. Je n'ai pas triché, je ne suis pas wallé. C'est vraiment la merde. No problem. Je me fais invade. Ma jungle, putain! Mais il court en masse à côté de moi là, c'est oh, horrible! Merde, je n'ai plus deux sans faire exprès. Je ne bouge plus, un poil de cul! Il me voit pas? Il me voit plus, hein. On est mad, hein! Même pas peur! On me dit dors, mais non, je dors pas moi, c'est pour les hommes, c'est pas pour les hommes ça. Moi j'ai pas peur. Ouais, j'avoue. Vas-y, non, pas le droit de dormir quand j'avoue on est sous. J'avoue que vu. Bah bon, quoi, le droit de dormir. Pas le droit de dormir, pas le droit de dormir quand on se fait agresser. Je suis un bonhomme. Je joue comme ça jusqu'au bout, mec. En stress, du début à la fin. Je suis un bonhomme, moi, je crie pas comme une meuf. Je vois rien du tout. Non, je ne dors pas. Évidemment, si je dors, ils partiront probablement, mais je m'en fous, je dors pas. Ah, rien à foutre. Je joue jusqu'au bout. Vas-y, mec. Aucun cadavre découvert. Est-ce que vous êtes prêts? Taïo! Ah! C'est du feu. T'es con. Alors on est à... Bolos. T'es mad hein. Salope. Eh hey, les gros mots. C'est pas un gros mot. Ça peut être... Ah on a peur hein. J'étais parti loin quand même, dis donc hein. Oui, moi je suis parti vachement loin. Non mais je parle de moi. Faudrait pas que je tombe par contre d'un ravin. Ce serait con. Bon, est-ce que je peux dormir hein? Ah bon là, ça, tiens. Tiens ce que je fais. Ok. Tiens bâtard. Ah. Tiens bolos. Alors. Pan. Allez viens de battre mec. Pan. Coucher. Allez. Mais il toque ce bâtard hein. What? Ah t'as peur hein. Pentakill mec.
Ils peuvent ramer par-dessus les murs? Elle a bugué, elle va pas t'attaquer. Mais je m'en bats les couilles. Bon, par contre moi je sais pas comment. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Ah bah voilà, regarde. Alors aujourd'hui ça va être soirée j'ai cocktail. J'ai trouvé la bombe, regarde, j'ai réussi à faire la bombe. Bah GG. Je suis très content pour toi. Hop. Des pièces. Mais putain, mais bats toi. Mais putain, il a grossi, ouais. Ah, je peux plus avancer. Putain, mais il s'est pas visé ce bolos. Tiens, double kill. What? Mais putain, mais t'as... Ah, j'ai gagné. Bon, moi j'étais plutôt bien. Ah, ah, ils sont là. Ils sont là. T'as survécu 8 jours. Attends, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je crois que c'est parce que j'avais un cocktail molotov à la main et j'ai pris ma hache. Et ce gros bolos. Alors, simulation, on se la refait. Le mec a une molo dans la main. Et du coup, il prend sa hache, mais il laisse tomber la molo à ses pieds. Genre, il est comme ça. Il fait molotov, allez. Hop là. Il fait ah, bébé. Mais quel enculé. Mais quel enculé. Le mec, il crève en tombant d'1m40 et il jette les molotovs à ses pieds. Non mais va mourir. Non mais va mourir, donc il dit que va mourir. Juste non en fait, enfin. Achète-toi un cerveau, enfoiré. Putain. Et moi je fais des trucs de ouf, genre j'avais peur de personne. J'étais un, voilà. Aïe. Le bonhomme, le mal, voilà. Et en fait pas du tout. Le mec meurt, en plus le mec. Typique un mec qui meurt par une seule molotov. Enfin, s'il te plaît, je prends une molotov sur moi, je ne meurs pas. Salut! Je suis brûlé, mais je meurs pas. Oh, oups, bouge pas. Putain, quel enfure. Moi, j'étais plutôt bien, regarde. Okay. Ouais, mais j'avoue, pourquoi j'avais un pistolet? Pourquoi se faire chier avec des molotovs qui est trop instable alors que j'avais un flingue? Je suis un peu con, en fait. Moi, j'ai gagné, alors. Attends. Pourquoi? Eh. Il est moins 10. Il reste 12 minutes. Bah, vas-y, alors. Tu peux encore perdre. Tu peux encore perdre. Et puis, il peut se passer des trucs. Hein. Il peut se passer plein de trucs. Ouais. Bon, en attendant, je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée de ma journée. Non. Pardon? Pas droit de se coucher. Si. Ah bah, arrête. What? Tu pas droit de te coucher, arrête. Tu t'es couché 6 fois d'affilée. Arrête. Hop. Arrête. Et il va faire jour comme ça, Z. Arrête. Pourquoi t'as dit arrête? T'abuses. Ah, c'est petit matin, on va se rebalader en forêt. Super. Suivez-moi, les enfants. Alors, où on va aller? Putain, vas-y, mais moi j'affronte tout le monde et voilà. Je pleure aussi, les gars. Il y a des trucs à côté de moi là. Vas-y, mais dors là, vas-y, joue la nuit. Au moins, joue la nuit pour les 10 dernières minutes. Quoi? Joue la nuit pour les 10 dernières minutes. Non, mais ça sert à rien, si je dors d'affilée, ça sera pas la nuit en fait. Mais pourquoi? Pourquoi moi je joue la nuit, pas toi? Bah, vas-y, je vais dormir plein de fois d'affilée. Ah! Voilà. Je vais pas. Non! Alors là, non! On regarde, nous dit sur l'IRC qu'elle a balle infinie au pistolet! Mais non! C'est I! Je veux non, j'ai ramassé plein de munitions! Parce que je suis allé chercher des valises pendant que toi, et bah, tu jouais et tu faisais mumune avec des troncs d'arbres! Ok. Mais moi, je veux que tu joues la nuit. Pour la fin, faut que tu joues la nuit. Oui, bah, je suis la nuit. Hop! Je suis armée, c'est bon. Hop, j'ai des bombes. Oui, mais mets-toi en danger! Ah, bien, oui, bah, c'est bon, j'y vais! Joue pas à la montre! C'est la nuit là ou pas? C'est la nuit, oui c'est la nuit. Alors sors, moi pars en expédition. En expédition? Get balls pour la fin. Est-ce que tu peux nous le faire? Est-ce que Shexy peut nous faire le truc de ouf de partir en expédition et montrer qu'elle n'a peur de rien? Avec son pistolet, avec ses 8 molotov, avec ses 2 grenades. Moi j'étais avec une hache. Hein. En fait j'avais pas compris, mais Shexy quand elle joue à ce jeu, c'est elle qui tue les sauvageons. Vous êtes où? Moi c'est l'inverse, moi c'est moi qui souffre. Il y en a plus. Alors moi je me suis couché 1000 fois, mais je voulais pas en fait. Enfin je voulais pas forcément passer la nuit à la base. Je me suis pas couché sous l'adversité.
Mais oui, évidemment. Bah, ma lampe torche. Non, évidemment, je... Bon bah, j'ai pas de lampe torche. Je veux qu'elle affronte un peu cette frayeur. Ah bon? Ah, faut trouver... Ah, j'ai... Les piles. Ah, il y a vraiment des... Bah, mes piles. Go game, là, go game. Je peux pas mettre mes piles. Oh merde, j'ai tiré. Moi, je m'en fous. J'ai Rexar. Ah. On va l'appeler Rexar, mon petit copain, là. Et je vais jouer avec toute la game. Ils sont où? Alors, Rexar. Rexar me dit qu'il y a des bombes ici. Ah, salut. Rexar me dit que j'ai un HP, je peux mourir en tombant d'un mètre. Oh, oh, j'ai plus de munitions. Bon, Rexar, désolé, mais je te reprends juste après. Je suis obligé. Un lapin? Bah, hop là, un lapin tué à travers des rochers. Putain, il m'a fait flipper. Alors, tu... Christian, je te dis que... Je cherche les survivants. Est-ce qu'il y a des survivants? C'est ma gueule. Pourquoi il est pas... Trop de lapins. À table. Alors, vas-y, je te regarde. Moi, je suis Flexi pour la fin. Je cherche des survivants. Moi, je suis Flexi, parce qu'évidemment, elle est au score de 2 à 1. Donc, elle est bien devant moi. Grenouille. Il y a des survivants maintenant? Je vais me laver. Oui, oui, bah non, ils sont tous morts. Ah, d'accord. Hop, je suis toute propre. Et qu'ajoute la mage? On nous a mis en régie, à part ce qu'on a cité déjà. Bah, on peut manger les poissons. Ok. Parce qu'avant, on pouvait pas. Et c'est tout. D'accord, ils peuvent monter aussi. Ah oui, et le requin. Il y a les murs sur lesquels ils peuvent sauter. Ah oui, effectivement. Ah, tu peux te faire aussi une maison sur l'eau. Oh, masse méchant là. Je le suis. Il va peut-être m'emmener à mon fils. Oh, j'ai trouvé leur campement. Fiston. Un gros campement. Oh, ils sont yambles là. Je pense que tu devrais les attaquer. Ouais. Tu es largement favorite. Ouais. Attends, j'y vais sous l'eau comme dans Pirates des Caraïbes quand ils sont sous l'eau, tu sais. Oui, oui, c'est une très bonne idée. Je pense que tu devrais peut-être lâcher tes armes, histoire de faire signe que tu n'es pas hostile. Je vais chercher mon fils. Putain, mais si jamais ça arrive un jour, ça... Mon fils, il est mort, hein, si c'est toi qui dois le chercher. Parce que tu seras mort, en fait, avant qu'il meure. Mais moi, si ça arrive un jour, eh bien, je m'en vais. Mais non, mais tu peux pas partir. Bah si. Moi je marche sous l'eau, y a pas de soucis, je perds pas de vie. Déjà, moi je suis pas con, hein, je reste pas avec des invisages, hein, je pars à la nage et je m'en bats les couilles, je ne reste pas quoi. Non, mais, et tu abandonnes notre fils quoi? Bah oui. T'es vraiment un connard. Un de perdu hein. Oh, t'es sérieux? Bah c'est ce qu'on dit. Attends, je peux pas passer. Ça marche jamais mais. J'ai trouvé un grand campement. What? Il y en a un là-bas, il m'a pas encore vu. Je vais prendre ça. Oh non! Je veux Rexar. Voilà, Rexar est là. Parce que j'ai trouvé des munitions. Quoi? Eh non! Oh non, j'étais Rexar! Parce qu'il fait, il bouge pas. On a perdu Rexar! Putain, merde, Rexar est où? Putain, merde, Rexar, on a perdu Rexar? Fuck. Hop. Bon. Moi, bah, Rexar, je suis désolé. On aura fait en tout cas un beau parcours, toi et moi. Eh, est-ce que je suis un bonhomme? Vous voyez les oiseaux là-bas? À l'attaque! À l'attaque! LOL! Lightbox de bâtard! À l'attaque! Bim, boum, badaboum, bim, bam, 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 je te défonce, mec, je te défonce! Viens là! Prends tes armes! Je te rééclate en morceaux! Et encore! Encore! Attends, mais c'est pas là-bas ou quoi? Ils arrivent à combien? Ah, bah, il est où? Ah, il est là! Encore! Voilà! Et t'es en morceaux, mec! Ouais, j'ai à manger qui pour tout l'avion. Qui veut se battre avec moi? T'as défoncé des mecs? Ouais, je l'ai mis en morceaux! Y'a là! Y'en a un là-bas! Y'en a deux! Viens là! Notre approche n'est pas tout à fait la même. Viens là! À part si ça se trouve, c'est des survivants. Viens là! Batter! Je te défonce, moi! Qu'est-ce qu'il y a? T'es une merde! J'ai aussi beaucoup trop vénère! Viens là! Viens là! Oh, il me soigne! Non, tu le soignes pas! Viens là! En fait, Chexy, non, en fait, elle fait un campement. Non, non pas pour on se le cacher, soigne pas, dégage! Mais pour les deaths, ah en fait. Là là! Toi! Viens là! Je te
prends un V2. J'avoue quoi. Meurs. Mais meurs. Je touche même pas en mode. Meurs toi aussi. Meurs. Mourez tous. On m'a chexi au final. Alors hein. Il s'enfuit. Il est où? T'es où? T'es où mec? Bon. Il court. Il se cache derrière les arbres. Dans une autre vie. Attends, je le défonce. Dans une autre vie, Chexi. Allez. Je te découpe en morceaux. Était une psychopathe de sans-zizi. Allez. Elle a tué tous les sans-zizi de la map. T'es où? Beaucoup trop chaud, donc on reprend les morceaux. Le nom, hein. Où ça? La famille. Donné hein, par Zerator, les sans-zizi. Très très bon d'ailleurs. Attends, il y a la lumière. Mais il est où? Moi je suis caché. Hein. Attends, ah il est là! Viens là! Il est caché derrière l'arbre! Petit con! Mais j'avoue. Oh non! Oh là, nice! Eh, tu m'as mis un coup? Tu veux quoi? Je t'enchaîne? Mais je t'enchaîne! Meurs! Mais... Meurs! Meurs! Mais c'est bon, il est mort! Hein. Non! En morceaux, j'ai dit! Derrière toi! Non, y'a rien. Pas du tout. Elle sent pas les couilles. Oh, elle sent pas les couilles. Meanwhile, moi, dans mon quartier, je suis déjà en difficulté, donc voilà. Alors attends. Ah mais non, mais en fait j'avais balle à l'infini. Mais en fait non. 3 minutes les amis avant la fin. Ah 3 minutes. Oh oui. What? Oh rouge, salut là. Toi. Attends mais ouais, pourquoi c'est tout rouge? Oh attends mais what the fuck. À l'attaque. Alors attends toi mon gars. Prends des armes, prends des armes. Attends non j'ai plus de... Envoie ta grenade. Ta grenade, ton explosion, ton item. Fais tout péter. Vas-y, faut que tu te mettes prêt. Quand plus t'es prêt, plus c'est puissant. Oh mon dieu, l'explosion oh, tellement bien faite. Envoie-lui un billet, envoie-lui un billet. Viens, t'as le poil donc je t'envoie un billet. Vas-y, tipse-le, tipse-le. Je te tipse. Aïe. Je ah, te merde. Tipse encore, regarde, ma tipse. Il est déjà mort. Oh merde, putain. Je les décime. Vous êtes en voie d'extinction. Je te défonce. Oh my god, c'était... Attends, mais les autres attends sont tellement choqués en mode qu'est-ce qui se... Oh. What? Bah, je l'ai rendu en vas-y, pièce. Vas-y, non, mais Noki, c'est rouge, j'ai peut-être un truc à faire. C'est moi qui ai lancé ça, trou de balle. Quoi. Ah, c'est toi, ah, merde, je me suis dit, putain, ça se trouve, il y a ton fils dedans et tout. Mais non, pas du tout. En fait. Bon, bah. Ah non, il fallait que j'emprisonne un pour savoir où était mon fils. Elle va tomber sur son fils, moi je voulais juste survivre à la base. Chacun son problème, tu sais. Le one shot, j'avoue, mais quel est dégâts de Chexi, putain. Tellement de damage. Elle lui a juste. Elle a juste def. Il est où? Ah oui, si, si, ouais, je l'ai vu, mais c'est sur la vidéo de quelqu'un. Ah oui, je l'ai vu moi, mais je ne sais pas du tout où il est. Ah pardon. On lui dit apparemment qu'il y aurait un monstre dans la forêt. Avec des tentacules. Avec plein une femme avec plein de bras et plein de seins. C'est ça. Donc au final, deux fois plus voir site. Hein. Mais le gros pervers, évidemment, je rigole. Hein. Bien évidemment, je plaisante. Alors, je ne trouve pas du tout. Mais les amis, il est bientôt minuit. Et bien, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, sachez que parti, comme c'est parti, je m'incline. Et donc, le défi, mon défi, faire une vidéo. Allez, sur mabimbo.com. Alors, mabimbo, pour vous donner une idée, en gros, c'est je vais incarner probablement une blonde à forte poitrine. Non, pas tout de suite, parce qu'en fait, tu dois level up avant de pouvoir te refaire les seins. Ah, parce qu'au début, tu pop comme. Avec des seins. Une moche, genre le nez, il faut que tu le refasses, les seins aussi. D'accord, donc je vais avoir tout à refaire. Et bien, je suis très content hein, de pop avec une ma bimbo pas du tout bimboté. Donc on fera maximum de chirurgie parce que je vais devoir trouver un mec. On ira en boîte, on prendra des talons hauts, on prendra des robes sexy. Et donc ça, ce sera évidemment sur le best-of hein, sur la chaîne Skyheart et Chexi. N'hésitez pas évidemment à vous abonner. D'ailleurs, je vous conseille le dernier best-of. Abonnez-vous et likez-nous. Non, le dernier best-of, ah oui, j'ai mis une vidéo aussi où je coach sur CS. C'est vrai, elle a mis sa vidéo de coaching CS si ça vous intéresse à progresser aussi sur CSGO avec le génie t'épouse. Vous avez aussi une vidéo best-of avec plein de séquences de nos différents best-of et vous avez été nombreux à me demander où est-ce que c'était les séquences de ces trucs-là. Eh bien, dans la description, on a linké les différentes vidéos si vous voulez les revoir, si vous voulez les revoir, etc. Tout ça, ça arrive très bientôt. Demain, je fais le best-of de The Forest. On a joué à plusieurs fois à The Forest. Je vais faire un best-of version longue et version courte pour ceux qui veulent voir le meilleur et ceux qui veulent voir une version plutôt de 15 minutes et ceux qui veulent voir plutôt une version de 5 minutes. Tout ça, ça sort bientôt sur la chaîne, donc dès les prochains jours. Et donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir tout ça. Et pour m'inviter, alors, on me dit, Victouf qui m'a dit, allez, Skyheart est vraiment un bimbo peureuse, il le mérite. J'avoue.
J'avoue. Donc ouais, donc dans le couple, oui, c'est elle, le bonhomme. On est bien d'accord. La domination de la femme, je suis d'accord. La destructive sans effectivement, hein, fort heureusement, je ne fais pas partie de ce clan. Sinon, je serais un peu déçu, hein, évidemment. Skyard, il a plus Dizzy parce que je lui ai enlevé. What? Je rigole. T'es là qu'on te dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, nice. Alors, Ben Parrish qui nous dit, elle gagne parce que Chelsea. Chelsea. La blague trop drôle. Joli, bon écoute, c'est mon humour et donc j'apprécie beaucoup. C'est très bien fait. Et ah, il y a 1 € comme a dit Ben Parrish. Donc Ben Parrish qui d'ailleurs tiffe pas mal. Hein. Ben Parrish, on te salue hein, évidemment sur le chat. On remercie évidemment aussi tout le monde sur le chat. Vous étiez très 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 nombreux à regarder aujourd'hui ce soir. Je C'était vais regarder. Trop bien. C'était trop bien effectivement. Oh. Et tout ça, on le rappelle, on aura évidemment plein d'autres lives hein, évidemment sur le mercredi après-midi. Oh, il a pris feu. Vous aurez aussi une session. Gale, on sera également ensemble pour d'autres c'est duels. C'est un moignon qu'il a. On fera des duels sur 3 jeux différents et à l'issue de ces 3 jeux, le gagnant aura également des défis, des défis que vous pourrez choisir. Même combat, ce sera le même histoire de, enfin le même genre de séquence et probablement le vendredi soir, ce sera une fois sur deux. Je serai aussi tout seul pour pouvoir faire d'autres choses. On se proposera en tout cas bientôt. Tout ça, c'est alors vous allez adorer. Bah écoutez, ça fait super plaisir. On est très content. Vous avez vu tout mon je talent. Je les éparpille partout. Je mets tous leurs membres sur ma carte. Elle est complètement. Ce soir, je vais faire pareil. C'est psychopathe sexy quoi. Alors que moi, c'est le vrai peureux. Voilà, on deux approches totalement similaires évidemment. Et donc on se retrouvera bientôt. On vous laisse évidemment avec la suite de la programmation. Ce n'est pas fini. Vous avez juste après, si je dis pas de conneries, c'est Arthéon, peut-être, je crois. C'est Théon? Fou, feu d'artifice, regarde. C'est Arthéon, le roi Arthéon, qui vous fait faire plaisir toute la nuit. On vous laisse avec la pause, amis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Skyard et Jaxi et sur nos réseaux sociaux, donc oui. Facebook et Twitter, pour pouvoir voter aussi pour vos défis. À très bientôt et pas balancer un aussi. Maximum de pouces verts. On dit des bonnes nuits sur Twitter. Ciao, ciao, tout le monde.